Pourquoi je chante la petite maison dans la prairie? Je vais vous faire voir. C'est spécial les trucs flottants comme ça quand même. Hein? Ouais. Les anciens disaient, il y avait les croque-mimines, ils faisaient méchants. En fait, ça c'est déjà le parchemin que j'avais avant. Mais il n'y avait pas que les croque-mimines. Il y avait aussi le bouboulateur avec son gaz explosif. Mais ça, tu le découvriras si tu fais très très attention. Je sais pas, moi, je suis attentif, hein, j'écoute. Et là, si tu, hop. Tu tires là-dessus, ça va libérer des espèces de petites abeilles qui vont te manger encore ta mimine. Qu'est-ce qu'ils en ont tous après mes mimines, quoi? Et ça, tu vois, si tu fais ça, à chaque fois il y a la main. C'est la main, ça veut dire tu vas y passer, quoi. No mano, no espero, quoi. C'est un nouveau langage. Et ça, tu le. Ok. Et ça, si t'en croises, tu peux le voler. Ça choque, bon, j'ai eu l'info. Le problème de ce jeu, c'est qu'ils vous donnent l'info après, quoi. C'est pas très judicieux. Eux, ils aiment pas trop les pics. C'est peut-être ceux qui sont speed, va savoir. Ah, j'ai fini mon bouquin, là. On y va. Je vous ferai remarquer que c'est la même texture qui a servi pour le premier bouquin. C'est un petit peu cheap, les gars. Je veux pas balancer, mais quand même. Y a rien pour se recharger, parce que avant de faire un carnage, j'aimerais bien y aller avec les munitions au taquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Je peux pas les faire exploser maintenant, ça serait trop le bonheur. Lui là-bas, puis. Headshot normalement. Dommage que je puisse pas zoomer. Ah, nique ça. Je vais passer toutes mes munitions pour que dalle, je pense. Y a rien pour recharger. Bon, je vais me le faire au lance-flamme de toute façon. Si c'est vraiment ce qui lui ferait plaisir. Bouge pas gros. Comment il m'a shooté? Comment il m'a projeté dans une hallucination intérieure? Il était de s'arracher la tête comme une grosse. Comme un tas de. Enfin, vous avez très très bien compris ce que je voulais dire. Hop hop hop. Je l'ai quand même fait. Hop, je récupère l'arme super banale. Je prends ça. Non, ça c'est pas bon. Alors je m'habitue un petit peu quand même. On fait le plein de toutes ces armes, hein. On va les passer en revue quand même. Lance-flamme. Laser. Tire-boulette. Tire-boulette, il est un petit peu low. Hein. Je peux pas le recharger lui. Non, il me remet sur celui-là. Ok. On va prendre l'arme prétendue la plus faible par défaut. Qui sera un peu de chagèche que je n'ai pas d'habitude. Ah bah faut prendre le lance-flamme là, tiens bravo. Non, le lance-flamme, l'autre. Alors s'il y a des bestioles, ben voilà c'est parfait, regardez. Pof. Je prends le lance-flamme. Non mais vraiment. Heureusement que j'ai fait gaffe à cette histoire de gaz et de cumul avec le lance-flamme. Ça m'arrange bien la vie. Hein. Regardez ce massacre que j'ai fait tout en me poilant. La vie est vraiment belle. Tu restes là-haut toi. Où je veux aller moi? Là-bas. Je suis même pas obligé de flinguer ça. Attention au truc là-haut. Si on va le faire parce qu'on est sympa. Michel. Musique. Ah, je crois que c'est trop. Ça va. Il crame. C'est une bien bonne nouvelle. Oui, je suis là qui caressait les plantes, je vous le rappelle. Bon, j'en reviens toujours au même. Ah, pochette, pochette les amis.
plus comme ça ou plus. Qu'est-ce qu'on a vraiment de Zeus? Ah, c'est pas mal. On va en faire une autre juste à côté. Hein. Là, c'est magnifique. Avec des flammes. Oh, les flammes! Et voilà, on s'emmerde. On s'emmerde dans ce jeu, c'est incroyable. Tous ces effets, ils auraient fait le même jeu en mettant des personnages géométriques avec des couleurs phosphorescentes, ça marchait pas moins quoi. C'est ce que je voulais exprimer depuis le début. Regardez-moi cette paire de. Ah là 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 là. Tu veux ton nion toi? T'en auras deux. Hop là. Je touche les plantes, je fais des trucs. Ah, je vais me faire mettre la langue dans la bouche encore, ça va être rigolo. J'aurais rien à faire tomber. Ah, j'aurais dû le laisser en vie ce truc. Parce que il aurait pu m'aider à croquer. Regarde-moi, il est tellement bourré, c'est vautré la gueule. Quoi? Ok, bouge pas. Ça marche bien ça aussi. Du coup j'ai mon lance-flamme qui est vide, je suis assez ennuyé parce que du coup on va voir ce que m'inspire cette plante. Ah, 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 ah. Il faut rencontrer le chaos de ce mec avec des trucs bizarres autour, ok. Ouf, ça c'était bouillabaisse. Hein. Aïe aïe aïe, plus jamais. Oh une recharge, comment je suis de joie. Bon bah c'est l'heure d'y aller les amis. On va pas tourner autour. Non l'autre. Ouais. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Regardez-moi comme ça a l'air sympatoche. Tous ces gens qui vont probablement au supermarché, hein, parce que regardez, ils respectent les distances de sécurité pour ne pas se transmettre le connard de virus. Autant de discipline prête au respect, enfin, tout simplement. On va courir un peu, ça me fera dégourdir les jambes. Qu'est-ce qui se passe là? Sûrement la vierge qu'ils apportaient au sacrifice. Ou un truc dans le genre. What's in the bird? Bah, c'est d'où je viens ça. Yef. Ouh, ça c'est méchant les œufs. Ok, je note. On va éviter, hein. Est-ce que ça se bousille? Bonne question. Ça, il s'en fout. Ça, j'ai un peu le doute. Voilà. Oh, il s'en cogne. Ah, ça, il aime pas par contre. Alors c'est rigolo parce que moi une créature qui fait du feu, j'aurais imaginé que c'était un truc en glace par exemple qui... Enfin, vous voyez les théories à la con? Ben voilà, toujours. Alors c'est qui sont les Strum? Salut. Non, je t'avais pas vu. Honnêtement, je t'avais pas vu. Voilà, ça c'est check. Ça c'est check. Oui, c'est un peu tout le temps les mêmes bruitages les mecs, non? Ouais, non mais je demandais, c'est tout. S'il y a ça pendu au plafond, c'est que forcément, il y a du Ducon dans le coin, quoi. Alors je veux pas si, je sais pas s'il y aurait une utilité à faire. Bon, on va le faire. Non, pas d'utilité, vraiment. C'est pas grave. Hop là. Et on va aller par là-bas, mais je vais recharger d'abord. Oui, toujours recharger à l'abus. Ah bah, il y avait besoin d'un gros plein, dis donc. On va passer Fissa. Merci. Non mais merci, vraiment.
Ça m'évite. Alors chaque arme se fait recharger par un truc d'une couleur différente. Hein. Oh là là, fallait le voir ce passage. Pas super envie. Ah, ça sent la fiesta. Ça sent le party time. Il faut que j'aille à cet inter apparemment. Mais lui, il a pas l'air super commode le mec. Je sais pas pourquoi. On va voir si c'est un ami. C'est dommage que je puisse pas zoomer quand même. Ils sont fous, ils sont fous. Ça, c'est check. Maintenant. Méchoui. Méchoui time. Bon, mais on fait ça calmement, vous avez vu? Il n'y a pas besoin de s'exciter, quoi. Derrière, j'en ai pas. Non, même pas cette blague d'en faire apparaître par derrière. Oh là là, mais on... Pff, même les classiques sont pas respectés. Donc vous avez vu ces scènes d'action intense où j'en suis à un niveau de stress que... C'est même pas descriptible, quoi. Donc c'est super dommage, quand même, que ce jeu, persiste. Parce qu'il y a du boulot, on peut pas dire le contraire, mais... On peut que rigoler. Ça s'arrange pas, hein. On n'est pas prêt de piger, je vous le dis, je vous le dis. Attends, est-ce qu'on a vraiment envie de piger? Ça, j'en suis pas très très sûr. Parce que je sens que quand on va arriver à la fin du jeu, ça va être encore une occasion de se retenir derrière, et ça va être moche. Ah, Maurice, 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 mets-moi la musique. C'est parti, prêt, go! Quelque chose qui... Hein? On y va. Ça va, ça se passe plutôt cool. Oh, pochette. Attendez, je peux vous trouver un mieux.
Faut changer la focale là, c'est pas bon. Faut un flou là sur le fond. Ou alors un flou sur le premier plan, c'est encore mieux. Bon, je vous laisse gérer, hein, c'est vous. Clic-clac. Qu'est-ce qu'on en aura fait des pochettes d'albums de métal, hein? Je vous garantis, moi je suis dispo hein, pour faire tous les groupes que vous voulez. De l'électro de métal, du dark raga métal, du doom techno métal, du ce que vous voulez. Je suis open. De toute façon. Hein. Quoi, de toute façon? De toute façon, il veut pas cramer lui. Ça me rassure. On est presque arrivé les filles. Ah, pochette encore. J'ai oublié de mettre mon coup de poing. Qu'est-ce que tu fais avec le... Non. Non, tu ne fais pas ça, non. Bon, le stream doit être 18+. Enfin, il est au moins 16+, donc ça, je suis rassuré pour vous. Faut que j'aille voir ça, le grand voyageur, et je vais ouvrir le technoportail qui m'enverra dans cette machine du diable pour conquérir un autre univers. Vous me l'achetez, c'est bon, on y va? Allez, c'est parti. Il y a encore une pochette à faire, là. Bon, on va se la faire. C'est une compile de pochettes, les amis. Dommage que je puisse pas effacer mon arme. On y va, hein. On a assez traîné. Oui, c'est bien de s'amuser, mais quand même, il n'y a pas que ça dans la vie. Hop là, petit pas. On esquive, on crame ça. C'est parti, mon gars. J'espère que j'aurai assez de benzine pour aller où je dois aller. Et on va éviter les détours inutiles avec un Z majuscule, bien entendu. De toute façon, il va falloir que j'arrive là-bas. Hein. Anyway, on y va à la sauvage. Fougle. Regardez-moi ça, comment je fais bien le sauvage. Le lance-flamme, c'est mon ami. Chut, ne fais pas de bruit. C'est bon, ils m'ont pas entendu, c'est con. C'est par où je te fais arriver, ça. Oui, à partir de maintenant, je chuchote. Pourquoi? Vous voulez pas trop savoir. Ça crame ça si je tire mes flammes? Non. Je voulais vérifier que c'était pas explosif quand même parce que. It could be annoying to me. Regardez le gros là, comme il a l'air gros. On va le suivre hein, pour essayer de comprendre qui c'est avant de taper dedans et de se faire ratatiner la tronche. Vous avez vu? Il est pas content en plus. Donc on va le laisser se faire bouffer par une plante, c'est mon idée. On va voir ça. J'avais un bout d'idée, mais... Heureusement qu'il est con comme la lune. Hop là! Dans la mazoutière. Qui qu'on veut, qui qu'on veut. Passez sur le côté, messieurs. Messieurs, je vous invite à passer à gauche. Oui. C'est là que les choses intéressantes vont avoir lieu. Alors, cette voûte, style Chapelle Sixtine, je vous le rappelle, a été designé par des croyants plus sympas que vous. Pourquoi vous êtes arrêtés, les gars? Je vous fais voir où faut venir. Hé! Viens. Attends, viens. Ouh, la vilaine plante. Ouh, la grosse vilaine. Bah, je vais pas gaspiller des munitions pour vous. Vous avez vu comment vous êtes relou? Tiens. Attends, je te finis. Et reste. Suivant. Bonjour. Moi je l'ai fini, hein, c'est tout. Hop. Oui, l'action tendue et frénétique de ce jeu, je ne m'en remettrai jamais. Et je vous présente Fernand, le dernier du lot, qui. Bof. Bon, je le finis comme ça quand même aussi. Voilà, c'était la partie action. Merci, au revoir. Coupure pub, s'il vous plaît. Realistic joust.
pole position at its best. Only the Atari 5200 Super System plays them. Moon Patrol with arcade graphics. Real sports baseball. You're out. Only on Super System. 2600 games, the adapter plays them all. The Atari 5200 Super System. Its only competition is you. Maurice, tu mets une zik qu'on voit après. Hein. Ok, on est parti. Okay. Je suis full anyway, bande de nazes. Bon, je vais tous vous flinguer comme ça, c'est trop ridicule. Attends, j'ai celui-là, là, ça sera encore plus drôle. Machin, truc, allez. C'est Jack. Bon, l'autre, il a même pas compris là, ce qui s'est passé. Ces scènes d'action, alors mords-moi le sbol. Et ces gens qui dansent désespérément la Macarena sans aucun style. Ah purée, non, mais c'est trop. It's more than I can bear, my friend. Oui, je parle volontairement anglais dégueulasse parce que là, on a atteint les limites. Pochette! Ah, pochette, les gars. Allez, je vais essayer de vous faire ça mieux. Là, c'est pas mal. Là. On va faire comme si on n'avait pas vu le truc à droite. Là. C'est bon? Vous avez fait votre clic-clac? Une autre comme ça? Bon, non, c'est moins cadré, là. Là, c'est bien, là. Allez, bonne journée. B. Ok, comme B, comme béatitude. Un interrupteur, si je peux l'avoir d'ici, autant profiter. Plop. Je sais pas ce que j'ai désactivé, mais ça doit être vachement bien. Ah, c'est peut-être pas pour... ça fait bizarre. C'est un pont magnétique à nouveau, bravo. Donc je disais, cette chose, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu, on n'a rien vu du tout. Alors rien du tout. Ok, le contraire. Il y a plein de trucs qui pendouillent. Hein. Je vais faire comme dans Alien, mettre des petits coups de lance-flamme. Des gros des fois aussi. Hop là. On va faire le grand tour, hein, c'est plus sympa. On verra bien ce qui se passe. On va passer à fond là. Ouais. Too late, my friend. Note for my gueule. Passe à fond. Bon, en fait, c'était un raccourci où j'ai trouvé à gauche. Ok. Tout s'explique. Où m'a-t-il remis dans la salle où il y avait le truc de recharge. Oui, je crois bien. Les amis, je crois que le jeu, je suis en train de le faire craquer là. Le jeu est en train de craquer total, regardez. Monsieur K vise Los Satanicos Developers. C'est encore moi qui gagne, madame. C'est encore moi qui gagne, je te le dis. Purée, si l'intérieur était là-bas, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mes jumps sont petits, hein. J'ai peu d'espoir. Bon, ça va aller mieux. Oh, décoincé. Ok.
Quelle bonne nouvelle, mes amis. Mais quelle bonne nouvelle. On va essayer le côté droit, hein, déjà. Ah, putain, le gauche, il est plus près. Et puis, il est moins risqué. La pochette, hein, pochette, la pochette. Ah, change de gueule. Bon, assez joué. Oui, on y retourne. Bah, je commençais à désespérer parce que j'avais réussi à m'égarer. Et du coup, c'est pas très cool. Non, mais moi, je crame tout aujourd'hui. Hein. Je suis. Et bah, voilà ce que je cherchais en plus. Maintenant, faut que tu trouves ça avec ce gun. Ok, ça doit être de l'autre côté, j'imagine, sans peine. Mais. Pas moyen de t'approcher plus pour te mettre un coup de poing dans la gueule. Ah merci. Oui c'est sacré, hein. Tous ces trucs que je croise, je leur mets ma main dans la gueule, j'aime beaucoup. Ils font leur petite répète de gym. Je sais pas si je les déconcentre ou pas. Oh, ils ont l'air d'avoir envie de rigoler. Faut pas grand chose pour rigoler. Ça, c'est check. Next. Ah, je sais plus du tout où il m'a refoutu. Oh, je commence à me paumer un peu, je crois. Bien, peut-être. Ça fait que dalle. Ah mais c'est pas les fameuses mouches dont on m'a parlé. Paumé, interloqué, interpellé, je ne sais pas, je. Vous savez, quand on vous lâche dans un jeu qui n'a pas d'histoire vraiment, vous faites n'importe quoi, puis vous êtes content, normalement ça suffit. Donc on va dire, je suis content, normalement, ça suffit. Regardez, je viens de l'aligner de la. Dommage qu'il n'y ait pas de zoom. T'as pas vu d'où ça venait, toi? Ah si.
Oh le con. C'était une très très mauvaise idée de me le faire comme ça. Putain, ils sont nombreux d'un coup là. Ah, je suis dans la merde. Oh, cette fausse phase d'action, les amanches. Alors, je me suis fait surprendre, mais comme un bleu total. Et là, je donne pas cher de la suite. Hop, hop, hop. Ah, tu l'as senti celui-là, j'avais prévenu, je suis pas d'humeur là. Si je peux, on sait jamais. Alors à l'autre, je sais pas avec quelle arme je vais me le faire. Ça, c'est la surprise totale. C'est tout. Oh. Je vais faire avec. Il faut que je passe là-dessus, ça me ralimente. Hop là. Allez, tranquillos. Si ça se trouve, j'ai buté le... Bah, je l'ai buté apparemment. Ça pourrait être la bonne nouvelle du jour. C'est quoi ça? Fallait pas toucher. Fallait pas toucher. Donc c'est ça qui génère les fameux essaims. Et mieux vaut pour moi que je m'amuse pas trop avec. Sinon on va être très très ennuyé. Comme dit le fameux personnage de South Park. Enfermé sur son île. Je sais pas pourquoi je le sens bien ce tuyau là. Oui, ça va me cramer. Ça c'est pas mal, on y va. Pour un gars qui devait s'arrêter, je trouve que je m'en sors pas mal. Ah, j'ai oublié d'aller bidouiller ce truc. Est-ce que c'est un bon machin d'aller bidouiller ce truc? D'après vous? Oui. Il y en a un en dessous, mais on s'en fout. On va aller au plus bref. Là, il y a la grosse boule d'Indiana Jones qui va tomber, non? Non, toujours pas? Bon, dommage. Regardez-moi cet agité là-bas. Alors, lui, si je lui tire dans le dos, il pète en un coup. Oh putain, il y en a un là. Presque. Faut vraiment viser. Et au fin de misère là. Ah, je suis tombé tout en bas, je suis tristitude. Bah, c'était une bonne idée de se ravitailler. Alors la visée est cauchemardesque. Je suis pris un backfire. Ah, cet échec. Bon les amis, rendez-vous prochain épisode. Et n'oubliez pas, apportez de quoi manger, la bouffe est terrible ici. Oui, je vous le dis comme je le pense. Ça fait long feu, lui. Allez, bisous, à tout bientôt. Ciao.